Alors, merci d'être venu en si grand nombre ce soir. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Je me présente Stéphane Chex, je suis la directrice du Cœur des sciences. Et ce soir, nous vous proposons de vous envoler, de voyager au cœur du Saint-Laurent vers l'île Anticosti. Une île mystérieuse peut-être, qui vous sera moins mystérieuse à la fin de la conférence, mais je pense encore tout aussi, voire plus fascinante. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Ça va être une conversation entre trois passionnés de l'île d'Anticosti. Cette conversation va être animée par Mathieu Robert Sauvé. Mathieu Robert Sauvé, il est journaliste scientifique et c'est l'auteur du livre que vous avez trouvé à l'entrée de l'amphithéâtre, Anticosti, 450 millions d'années de vie. Il reste encore quelques exemplaires si jamais vous voulez vous le procurer après la conférence. Alors Mathieu va animer donc la causerie. Avant de commencer, je vais remercier aussi le partenaire de la programmation du Cœur des sciences, donc le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Un merci aussi tout particulier à toute l'équipe du Cœur des sciences. On n'est pas nombreux, mais on travaille fort pour vous offrir des belles activités. Je pense que vous pouvez applaudir toute l'équipe. Vous avez peut-être vu aussi, en plus de la table des livres, on a installé une autre table un peu en arrière dans l'amphithéâtre. C'est une table d'exposition de fossiles, des fossiles d'Anticosti, et c'est le musée de paléontologie et de l'évolution qui est là. Donc après la causerie, vous pourrez aller voir Mario qui pourra vous donner aussi des détails sur cette collection. Alors, quelques consignes. Est-ce que vous avez tous pensé à éteindre vos cellulaires? On oublie encore en 2024. Autre consigne, après la discussion, nous allons ouvrir une période de questions. Donc, c'est sûr que pendant la période, pendant la causerie, qui va durer à peu près une heure, on ne pourra pas tout creuser. C'est le temps, après, pendant la période de questions, d'avoir plus de détails. Vous avez deux micros de chaque côté de la salle et Mathieu donc animera cette période en vous distribuant la parole. Alors, je pense que c'est bon pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouvrez grand vos yeux, on vous emmène à l'île d'Anticosti. Bonsoir à toutes. Mathieu Robert Sauvé, mon nom. Je suis journaliste scientifique, comme l'a dit Stéphane.
Merci beaucoup vous tous, à vous toutes d'être là ce soir. Il y a de la compétition. Vous êtes déplacés pour venir dans cette salle magnifique, une de mes préférées d'ailleurs à Montréal, pour assister à une conférence à teneur scientifique. Donc vraiment, je vous remercie, je vous félicite d'abord d'être là, vous tous, vous toutes. Alors, je vais vous présenter nos conférenciers, nos experts aujourd'hui. Donc, à ma gauche, ici physiquement présent, André Desrochers, qui est donc une des âmes dirigeantes du projet sur l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, donc Anticosti, qui vient d'être accepté comme un des sites les plus importants pour l'étude de la paléontologie. Donc, M. Desrochers est professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, directeur du département des sciences de la Terre et de l'environnement. Il est membre de la Commission internationale de stratigraphie de l'Ordovicien. Il pourra nous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Auteur de plus de 130 communications scientifiques, publications, chapitres de livres, articles scientifiques, etc. Donc, M. Desrochers est là. Et on a quelqu'un qui est très cher à mon cœur et à ma tête. Donc, Gaëtan Laprise, qui est l'auteur des images magnifiques que vous venez de voir. Gaëtan, qui est technicien en aménagement de la faune, qui a diplômé du cégep de Bécomo. Et il habite Anticosti depuis 1982. On l'a en direct avec nous. Avant de leur poser la question, la première question qui va introduire un petit peu leur relation avec l'île d'Anticosti, j'aurais peut-être une petite question à vous poser à vous-même qui êtes ici ce soir. Qui d'entre vous est déjà allé à l'île d'Anticosti? Peut-être levez la main. Ah, il y a quand même un bon, je dirais, 10% de l'auditoire. Alors, merci beaucoup. Pour les 90% qui restent, j'aurais été dans votre cas il y a 2 ans. Moi, j'ai découvert l'île en 2022 à l'occasion d'un voyage comme journaliste pour le Journal de Montréal. J'avais vu dans le programme du congrès de l'ACFAS quelque chose sur Anticosti comme île de science. C'était organisé par M. Desrochers. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer de couvrir ça, ça va être intéressant. Mais ma patronne m'a dit, bien, tu peux peut-être t'asseoir dans la salle et prendre des notes, mais ça serait peut-être plus intéressant d'aller sur place. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai pu découvrir l'île avec mon chapeau de reporter. Et j'ai rapporté, donc, des reportages. Par la suite, j'ai eu le projet d'écrire le livre qui nous amène un petit peu ici, parce que c'est grâce à ce livre-là que Gaëtan Laprise a illustré ses photos. Il y a aussi une photographe qui est parmi nous ce soir, Françoise Cotte, qui a participé au livre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça vous demander peut-être, André, expliquez-nous votre première rencontre. Comment vous avez découvert l'île d'Anticosti? Ma première date géologique. Première date. Bon, ça remonte à 1977, jeune étudiant. On m'engage pour travailler avec une équipe de géologues du ministère des Ressources naturelles à l'île d'Anticosti. Donc, j'y passe 3 mois. On fait un inventaire géologique. On marche sur une centaine de kilomètres le long de la rive sud, entre la rivière Bexi et la rivière Chaloupe. On remonte toutes les rivières. On fait la géologie, la stratigraphie, la paléontologie. Donc, en 1977, pour mettre ça dans le contexte, c'était 3 années après que le gouvernement du Québec ait acheté l'île d'Anticosti des forestières. Donc, toutes les opérations, tout le fonctionnement était sous l'autorité du ministère de loisirs, chasse et pêche. À l'époque, il y avait un gouverneur qui était le directeur général de l'île. Il fallait monter une patte blanche. Il y avait une barrière à 5 milles du village. Et si on n'était pas sur la liste d'invités, on ne circulait pas sur l'île. Donc, ça a bien changé. C'était encore propriété privée à cette époque. Donc, cette relation s'est développée. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que Anticosti allait occuper une telle place dans votre liste? Pas quand je suis arrivé, mais après 3 mois, oui. Très bien. Choc amoureux qui s'est révélé,
une relation, disons, pour toute la vie, si je comprends bien. Gaëtan, j'aimerais ça vous poser la même question. Vous arrivez en 82, vous êtes fraîchement diplômé de technique en aménagement de la faune. Alors, racontez-nous votre découverte de l'île. Un petit peu, comme André, dans le fond, je suis arrivé au moment où le ministère de la Faune ouvrait un bureau en Anticosti. Avant ça, les biologistes venaient de Québec pour travailler sur le saumon, sur le chevreuil, des forestiers qui venaient. Mais là, il y a ouvert un bureau. Fait que moi, j'étais là et comme André, j'ai eu la chance de marcher toutes les rivières à saumon pendant différentes opérations. Pendant 5 à 10 ans, on a fait beaucoup d'acquisitions de connaissances, ce que lui faisait aussi. On ne s'est pas connus encore tout de suite. D'ailleurs, je voulais demander à André s'il se rappelait depuis quand on se connaît, parce que j'ai l'impression que ça fait depuis toujours, mais j'imagine que j'exagère un peu. Et puis, tombé en amour de la même manière, puis en plus, j'ai rencontré un autre amour ici qui est toujours ici. Fait que voilà, on a pas mal la même relation. Donc, vous avez deux sortes de chocs amoureux, si je comprends bien, avec l'île d'Anticosti, puis avec Mme Danielle Morin, qu'on va peut-être rencontrer un peu plus tard, avec qui vous avez fondé une famille et eu des enfants. Donc, à Anticosti, vous êtes un insulaire, un vrai de vrai. Ah oui, c'est ici que j'ai passé et de loin le plus de temps de ma vie. Là, ça fait plus de 40 ans. Fait que, bien entendu, un vrai. Bien, merci. Moi, je suis ici pour animer, mais c'est sûr que c'est vous qu'on veut entendre. Alors, je vais vous présenter un petit peu le plan de la prochaine heure. Nous allons tenter d'aborder cinq thèmes. Le premier étant l'aventure du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le second étant la richesse fossilifère. En passant, vous aurez l'occasion de voir et de toucher des fossiles authentiques provenant de l'île d'Anticosti. Ils ont été transportés avec beaucoup de gentillesse par Mario Cournoyer, qui est le directeur du Musée de paléontologie de l'évolution de Montréal. Il y a une table en arrière où vous pouvez voir des trilobites et différentes formes de vie qui datent de plusieurs millions d'années. Alors, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à jeter un coup d'œil lorsque vous aurez un moment. Donc, après le deuxième thème, il y aura l'histoire humaine. On va parler évidemment des chevreuils, parce que je pense que tout le monde ici connaît, qui a au moins entendu parler des chevreuils d'Anticosti. Et on terminera avec le thème sur la science, un peu le laboratoire à ciel ouvert que constitue cette île d'exception. Alors, allons-y. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, à sa 45e session, le 19 septembre dernier, ça fait quelques mois tout juste, à Riyad, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a annoncé qu'Anticosti donc, devenait un site du patrimoine mondial de l'humanité, au même titre que plusieurs sites absolument extraordinaires de la planète, là, la Grande Muraille de Chine, les îles Galapagos, le parc Yellowstone et d'autres. Donc, j'aimerais ça peut-être qu'on revienne sur ce projet-là. Monsieur Desrochers, vous l'avez piloté, vous en êtes un peu l'âme. Comment c'est venu, ce projet de site patrimonial mondial? Bien, il faut remonter 2015-2016, si on se rappelle bien. Anticosti était connu à cette époque-là pour toute la saga sur l'exploration pétrolière. Il y avait l'intention d'exploiter des ressources naturelles, des hydrocarbures de roche-mère, fracturation. Donc, il y avait très, très peu d'acceptabilité sociale, des enjeux environnementaux. Il y avait aussi des problèmes, même de viabilité économique de ce projet-là. Donc, on sortait de la saga d'exploration pétrolière et en même temps, le gouvernement du Canada fait un appel pour des candidats sur la liste indicative du patrimoine mondial du Canada. Parce que c'est la première étape obligée pour... Les leaders, à cette époque-là, c'était le maire, John Pinault, le chef, Jean-Charles Pietachaud, des Kwanuchit, communauté Innu. Il y avait aussi Christian Simard, de Nature Québec. Donc, il y a des universitaires qui ont aussi embarqué dans le projet et on a préparé une candidature pour la liste indicative. Et cette liste-là, bien, il y a 50 candidats ou 50 propositions. Il y en a 8 qui ont été retenues, dont Anticosti.
et Anticosti a retenu sur un critère là, de site géologique, site paléontologique exceptionnel, puis je suis certain qu'on va en reparler dans un instant. Vous avez apporté d'ailleurs avec vous, je crois, la proposition d'inscription, qui est un travail colossal, si je comprends bien, vous, vous ne partiez pas de zéro. Vous aviez déjà quelques décennies de recherche sur place et vous avez été donc le cerveau scientifique qui pouvait alimenter ce projet-là. Mais il n'y avait pas que la science. Enfin, il n'y avait pas que les fossiles. Pourriez-vous nous résumer un petit peu quel était l'intérêt pour le Canada de soutenir cette candidature? Bien, le Canada et aussi pour l'île d'Anticosti. La municipalité de l'île d'Anticosti était le demandeur. Ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un petit gouvernement de proximité. Absolument, souvent, les États partis, si on regarde au Canada, ce sont souvent des parcs nationaux. Donc, le demandeur, l'île d'Anticosti, la municipalité de moins de 200 résidents qui s'associe avec des partenaires régionaux, la MRC, les communautés Innus, le gouvernement du Québec, et qui, ensemble, montent un projet, une proposition qui prend 4 ans à développer. Donc, je suis un peu... j'assure la direction scientifique, mais il y a 40 personnes qui travaillent sur le projet, différents partenaires, et au bout de 4 ans, on soumet cette proposition sur cette valeur universelle. Donc, on avait un bon plan de match. Hein. Imaginez-vous, on se fait mettre sur la liste indicative en décembre 2017. En janvier 2018, on part sur des chapeaux de roue et on travaille sans relâche pendant 4 ans. Qu'est-ce qui a été les principaux obstacles? Les principaux obstacles, c'est qu'il faut monter, il faut travailler sur à peu près 12 chantiers en même temps pour monter la proposition d'inscription. Premièrement, il faut réfléchir, c'est quoi la valeur universelle exceptionnelle sur laquelle on va soumettre notre candidature? C'est quoi les limites? Comme vous pouvez voir sur la carte en arrière de moi, c'est pas tout l'île dans ce cas-ci qui a été inscrit comme site du patrimoine mondial, c'est son littoral, la zone en rouge, et en plus, une espèce de pont géologique qui fait la rivière Boréal, la rivière Jupiter, parce que c'est là que s'exprime sa valeur universelle exceptionnelle comme site paléontologique exceptionnel. Donc, il a fallu réfléchir à ça, après ça, planifier un plan de conservation, un plan de gestion, un plan d'interprétation, un plan de développement durable, parce que derrière tout ça, il y a aussi une aventure qui est de faire de mise en valeur. Très bien. Comment ça s'est vécu, cette histoire-là, à partir du village de Port-Meunier, d'Anticosti? Est-ce que ce projet-là a été bien accepté? Est-ce qu'il y avait des doutes? Est-ce qu'il y avait des craintes? Comment ça a passé? Quelle a été l'acceptation sociale du projet de l'UNESCO, Monsieur Laprise? Plutôt bonne, même si c'est un projet d'une grande ampleur qui prend beaucoup de temps, mais la perception générale est positive, contrairement à l'exploration pétrolière. D'ailleurs, il y a eu une séance de signature pour accompagner le dépôt de la proposition à Riyad, et pratiquement tous les adultes de Port-Meunier l'ont signé. Bien entendu, c'est toujours une fierté pour des gens qu'à l'extérieur, même à l'extérieur du continent, on reconnaisse la richesse et la beauté de ces lieux. Ça rend les gens très, très fiers. Mais d'un autre côté, maintenant que c'est accepté, les gens ont beaucoup apprécié, mais ça demeure abstrait. Pour le moment, c'est un tampon. Et bon, qu'est-ce que ça va être comme effet sur le mode de vie, la dynamique des emplois, tout ça? Quand est-ce que ça va se concrétiser? C'est un processus qui est en marche et ça va très bien. Et bon, bien entendu, les gens ne pensent pas à ça tout le temps. Par contre, il y a plein de bons côtés parce qu'on a encore, ça a changé, mais on a un conseil municipal qui est très dynamique, qui est 100% féminin d'ailleurs. Et l'école aussi, on a eu une directrice d'école qui malheureusement est partie vers d'autres aventures, mais toute l'école est très impliquée dans le dossier de l'UNESCO, les profs impliquent les jeunes, et c'est très bien parce qu'ils vont sensibiliser les parents, ce faisant. Mais c'est un très gros dossier pour une population de même pas 200 personnes. La municipalité a aussi des aqueducs, des égouts à gérer, de l'asphalte et compagnie. On a besoin de support. Le gouvernement du Québec a fait un bon pas en créant une réserve de biodiversité. Des experts comme André ou Cathy Gagnon ont fait un super travail depuis des années. Il va en falloir encore, mais il y a beaucoup d'intérêt. Merci, Gaétan. Je voudrais... vous avez beaucoup de choses à dire, bien entendu. Je ne vais pas vous interrompre trop durement, mais je veux quand même dire que... On a appris en arrivant ici que le budget Girard d'hier accorde quand même 14,2 millions
Anticosti, donc dans le budget récemment annoncé. Donc, parmi les problèmes, je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer, il y a un gros problème d'hébergement actuellement à Anticosti. Les gens manquent d'espace pour loger, autant le tourisme que les travailleurs saisonniers. Donc, André, je vous donne la parole. Vous vouliez parler avant qu'on passe Rapidement, je pense que Gaétan a très, très bien résumé. Une inscription au patrimoine mondial, c'est pas la fin. Hein, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un début. Donc... Oui, puis vous m'avez dit d'ailleurs que 14 millions, ce n'est pas beaucoup. On attendait pas mal plus. Bon. Parlons maintenant science avec M. Desrochers, le bien nommé, parce qu'il s'intéresse au... En passant, j'ai un frère qui s'appelle Pierre Desrochers. Ça rappelle j'en ai Pierre Desrochers. Bon. André, donc, parlez-nous un petit peu là, de la richesse fossilifère de l'île, dont on a une petite idée ici, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Pouvez-vous nous résumer pour l'auditoire là, quel est l'intérêt donc, de cette île? En ce cas-ci, il est reconnu comme, pour les géologues comme un cimetière de fossiles. Et les paléontologues sont en ce cas-ci depuis les années 1850. Donc, pour nous, la richesse dans ce cas-ci, elle est connue. Les scientifiques, on y travaille depuis au-delà d'un siècle. Mais... on a défini la valeur universelle exceptionnelle d'Anticosti sur cette base-là. Donc, Anticosti, c'est non seulement des fossiles, mais c'est une histoire, c'est une épopée du vivant au cours des périodes géologiques. Oui, parlez-nous de ça, parce que quand on traverse l'île, mettons, du sud vers le nord, c'est bien ça? Du nord vers le sud. Du nord vers le sud, pardon. Donc, on traverse, en quelque sorte, le temps. On voyage dans le temps. On voyage dans le temps, donc 10 millions d'années. 447, 437 millions d'années. Et ce qu'on passe à travers, c'est essentiellement l'histoire de la première extinction massive de la vie. 85 % des espèces marines, parce que la vie est essentiellement concentrée sur les fonds marins, disparaissent. Et si on simplifie, on peut pratiquement mettre notre doigt, en ce cas-ci, sur cet intervalle de crise. Donc, la beauté dans ce cas-ci, c'est de mettre tout cet intervalle-là en valeur. On connaît la vie avant, pendant et après. Donc, on peut reconstituer cette histoire-là sur 10 millions d'années avec des archives exceptionnelles. Bon, parlez-nous même, reculons dans le temps, Anticosti n'est pas au milieu du Saint-Laurent lorsqu'elle est créée, en quelque sorte, mais à la dérive des continents. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette théorie. Les continents sont comme des radeaux. Alors, parlez-nous du voyage qu'a fait Anticosti, puis pourquoi, quand on se promène en Gaspésie ou sur la côte nord, on est dans des endroits géologiques, des provinces géologiques assez différentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, je pense qu'une photo vaut mille mots. À l'arrière, on a une carte paléogéographique à la fin de l'Ordovicien, donc il y a environ 444 millions d'années. On peut voir l'épingle qui pointe sur Anticosti. Donc, la géographie des continents, des océans, était loin d'être celle qu'on a aujourd'hui. Anticosti se situait 15-20 degrés au sud de l'équateur. Donc, la façon dont on doit lire cette carte-là, c'est une carte qui est projetée vers, à partir du pôle sud. Le point central, c'est le paléo-pôle sud, qui aujourd'hui est le Maroc. On avait cet immense continent qui était centré. Mais Anticosti faisait partie de ce qu'on appelle la Laurentia, l'Amérique du Nord de jadis, qui chevauchait l'équateur. Une caractéristique, c'est que le niveau marin était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Donc, tous les basses terres, les plaines côtières étaient envahies par une mer. Et en tout cas, c'était une mer tropicale qui était peu profonde, où foisonnait la vie comme telle. Et cette mer-là était active et enregistrée pendant non seulement les 10 millions, mais pendant des centaines de millions d'années, un enregistrement sédimentaire. Mais ce qui est exposé en tout cas, c'est ce 10 millions-là, mais qui est extraordinaire parce que on a une fenêtre sur l'histoire de la vie sur Terre. C'est ça. Si on résume, on comprend que l'Anticosti est une mer tropicale peu profonde, regorgeant de vie avec toutes sortes de vertébrés, en fait, de crustacés de toutes sortes, des trilobites. On a peut-être encore un peu espoir de voir des ancêtres de poissons, si je ne m'abuse, ou c'est pas encore? Pas encore. Il va falloir aller dans le temps se déplacer, par exemple, à Miguacha, où là, c'est vraiment l'âge des poissons. On est dans des formations plus jeunes, le Dévonien, on fait un bond de 80 millions d'années. Mais si on revient, en ce cas-ci, sa position était particulière parce qu'on était à 20 degrés
au sud de l'équateur, on était sur la ceinture d'ouragan. Donc, ce qui se passait, c'est qu'à tous les siècles, où il y avait un ouragan qui frappait le fond marin, qui brassait toute la vie, et cette vie-là était ensevelie. Donc, quand je parlais d'un cimetière, donc les conditions étaient propices à un enregistrement paléontologique là, de première heure dans ce cas-ci, de par sa position. Oui. Dernier élément là, important, c'est qu'il y a une dynamique à l'échelle globale. On peut voir centré sur ce grand continent là, qui est au pôle sud, une glaciation. On est dans une ère géologique où il y a des glaciations, où ce centre de glaciation là, va fondre, va se reconstruire et que le niveau marin va monter et baisser. Donc, c'est un environnement très, très dynamique, la fin de l'Ordovicien, propice justement à des... Donc, imaginez un radeau qui part des tropiques, qui monte vers jusqu'au Saint-Laurent. Et en plus, pour notre plus grand bonheur des chercheurs, l'île, c'est un petit peu... C'est un petit peu retourné comme on se retourne dans notre lit, de sorte qu'on a sur le flanc... Pendant quelques millions d'années, par contre. Oui, c'est ça. C'est quelques millimètres, quelques centimètres par an. Là. C'est vraiment un grand trajet de radeau. Là. Mais il faut avoir un petit peu la pensée théorique des millions d'années, donc à quelques millimètres, quelques centimètres par an. Là. Donc et on monte comme ça. Et en plus, donc, cette île, finalement, avec l'érosion, nous offre en surface, effectivement, des fossiles de différents âges, dont des gâteaux de fossiles, littéralement. On voit un paquet de fossiles collés un sur l'autre, là, qui sont résultants de ces tornades, de ces ouragans. Ces ouragans marins, oui. Donc, 550 km de côte, c'est le laboratoire à lequel les géologues, les paléontologues ont accès. Donc, ça, c'est vraiment unique. La qualité d'affleurement est merveilleuse. Parce qu'on peut voir les strates en coupe, mais ce qui est aussi merveilleux, on les voit souvent sur les surfaces de litage. Et les surfaces de litage, c'est essentiellement le fond marin. Donc, on a un échantillonnage du fond marin à tous les 10 ou 20 cm. Imaginez-vous sur 1000 mètres. La strate la plus vieille et la plus jeune, en ce cas-ci, c'est 1000 mètres de strate qui s'accumulent. Donc, on a à chaque 10 cm une surface de litage qui capture la vie sur le fond marin. Alors, donc, quand on arrive à Port-Meunier, qui est le seul village habité, on a vu la carte de l'île tout à l'heure. Donc, les paléontologues qui sont souvent de l'étranger, parce qu'il y a peu de Québécois, si je ne m'abuse, qui étudient sur place la géologie de l'île, ils font halte à Port-Meunier, ils remplissent leur sac à dos, ils partent sur le terrain. On ne les voit plus pendant plusieurs semaines. Donc, oui, tout à fait. Présentement une recherche là, qui se fait à l'échelle internationale, de calibre mondial, mais par la communauté internationale de paléontologues, de scientifiques. Passons à l'histoire humaine. On pourra revenir, hein. Je ne l'ai pas dit, j'aurais dû. Il y aura une période de questions après la première heure de présentation un peu de la causerie là, avec nos experts. Et après ça, on prendra vos questions avec plaisir. Donc, j'aimerais parler un peu de l'histoire humaine, quoique Gaëtan, si vous voulez intervenir sur la richesse fossilifère, ne vous gênez pas. Mais on parle donc d'une occupation autochtone de plusieurs siècles quand même. Il y avait une pêche au saumon, la chasse à l'ours. Et l'île a été, avant d'être colonisée de façon, disons, permanente, a été reconnue pour être le cauchemar des navigateurs. Donc, on parle donc d'un cimetière du Saint-Laurent. On est passé d'un cimetière fossile à un cimetière du Golfe, là, que c'était la mauvaise réputation d'Anticosti. Comment elle s'explique, en fait? Bien, premièrement, par sa géologie, hein, c'est essentiellement des roches sédimentaires qui plongent à quelques degrés vers le sud. On appelle ça un relief en cuesta ou une structure monoclinale. Donc, c'est très, très difficile d'avoir, avec l'érosion, de générer des haves naturelles, premièrement. Puis, en plus, l'érosion côtière fait que l'île, dans ce cas-ci, est ceinturée par... On a pu le voir durant le vidéo, par une ceinture de roches qui affleure à marée basse, mais qui est submergée à marée haute. Donc, on croit qu'on est au large, mais au fond... Tout à fait. Donc, 400 naufrages recensés. Plus de 80 % au 19e siècle, alors que la navigation, les échanges commerciaux entre l'Angleterre et le Canada s'accélèrent. Donc, il va y avoir tous ces naufrages-là. Et donc, il y a un lien avec le patrimoine historique, dans ce cas-ci, et sa géologie particulière.
Oui, c'est ça. Il y a une histoire assez terrible du Granicus, un navire qui a fait naufrage et ils ont essayé de survivre jusqu'au printemps et il y aurait eu des cas de cannibalisme qui sont assez bien documentés. Quand les Madelinos sont arrivés sur place, il y avait des morceaux de corps qui étaient dans la saumure. Enfin bref, c'était assez dramatique. Une histoire qu'on pourrait raconter à l'Halloween, mais on laissera ça peut-être pour... Mais la toponymie aussi, dans ce cas-ci, fait référence à la baie des naufrages, la pointe aux morts, fait référence... à cette période-là de... Oui, d'ailleurs, mais si on parle aussi d'occupation humaine, évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'époque Meunier, donc Henri Meunier, ce chocolatier qui achète l'île en 1895. Après, il y aura toutes sortes de transactions et l'île appartiendra longtemps à des compagnies forestières. Ça va être un terrain privé. Donc, Gaëtan, peut-être avez-vous quelques mots à dire là-dessus sur l'occupation humaine le dernier siècle et demi où vous avez été... on n'a pas de son. J'avais coupé mon micro pour que vous entendiez m'entendiez tousser, désolé. L'île, il y a eu deux villages. Baie-Sainte-Claire, à l'arrivée de Meunier, mais après quelques décennies, la Baie-Sainte-Claire n'offre pas un très bon havre. Le seul bon havre, c'est la Baie-Ellis, où est construit maintenant par Meunier. Ça aura été le vrai seul village sur Anticosti depuis longtemps, habité de façon permanente. Et finalement, Parmenier va avoir eu une histoire de ville de compagnie, de village de compagnie, comme il y a eu dans le Nord, parce que ça a appartenu à Meunier, ensuite à des compagnies forestières qui étaient propriétaires de tout, là, y compris pratiquement des gens. Et même à l'arrivée du gouvernement en 1974, ça a pris presque 10 ans avant que ce soit régularisé. Moi, je suis arrivé en 82 et comme André racontait, il y avait encore une barrière. Tout le monde n'avait pas le droit de se promener sur l'île. Il fallait avoir un sauf-conduit. Maintenant, on a une situation un peu plus normale. Et ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le village de Portmenier, comme beaucoup de villages au Québec, a connu une dévitalisation, un vieillissement de la population. On est chanceux, contrairement à d'autres, parce que depuis peut-être un peu plus de 5 ans, il y a un regain et même une inversion. Donner une idée, il y a 7-8 ans, il restait 8 enfants à l'école. Nos garçons qui ont dans la trentaine, quand ils étaient à l'école, ils étaient à 45-50. Aujourd'hui, c'est remonté un peu plus d'une vingtaine depuis quelques années. On a une excellente école. Et ça paraît beaucoup. La candidature à l'UNESCO et la reconnaissance, ça a aidé à attirer des gens et à les garder aussi. Et l'école y est pour quand même pas mal. Par contre, la qualité de vie à Portmenier, de tout temps, à partir de Meunier à aujourd'hui, a toujours été supérieure à celle de beaucoup de petits villages. Puis dans le temps, Gaspésie, Côte-Nord, il n'y avait aucune route. Il y a encore des coins de la Basse-Côte qui sont comme ça. C'est pas juste moi qui le dis. Mon amie Thérèse Chevalier, qui est née ici, qui a eu 96 ans l'été dernier, me le disait, ah, nous, à Portmenier, on a tout le temps eu à manger des emplois, du temps de Meunier, de la console, du gouvernement. On est très chanceux. Et on a une population aussi qui est très diversifiée. Il y a à peine la moitié des gens qui sont nés ici. L'autre moitié vient de à peu près partout au Québec, mais des fois un peu plus loin. Ce sont plus des gens de type urbain dans leur mode de vie, mais qui vivent dans une communauté de moins de 200 personnes où tout le monde se connaît. Ça fait une dynamique qui est très intéressante. C'est des gens dynamiques qui aiment que les choses bougent et ça crée un mode de vie que moi j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire que ça nous force un petit peu à côtoyer des gens d'âges différents, de milieux différents. Pour moi, c'est un gros plus pour tout le monde. Dans les années, dans les années 70, je vous interromps, Gaëtan, vous m'excuserez, la console, la propriétaire de l'île, ne faisait plus assez d'argent. Les colonnes de chiffres, c'était pas bon.
On vend l'île. Alors là, la console a annoncé à un moment donné au village, on réuni les gens dans le centre communautaire, l'église, et dit, les patrons ont dit, écoutez, on va fermer l'île, donc vous allez être invités à quitter, on va vous délocaliser. Ceux qui travaillent déjà pour la console pourront travailler à Forestville, à Baie-Comeau, à Chicoutimi. Et les autres, ben, on va payer des déménagements. Donc, ça a été un gros choc parce qu'il y avait 500 personnes à peu près à Lille à ce moment-là. Et il y a des gens qui ont dit non, je regrette, là, nous, on va retourner aux chandelles puis à l'huile à baleine s'il le faut, mais on ne quittera pas, on va mourir ici. Mais il y a quand même beaucoup de gens. Ça a été un gros choc démographique. Évidemment, après, l'île n'a pas été fermée parce que c'est l'État québécois qui s'est porté acquéreur et donc a décidé de garder le village entier. Mais donc, ça, on dirait qu'on ne s'est jamais remis complètement de cette baisse démographique assez dure, là, assez radicale à partir des années 70. D'ailleurs, vous-même, Gaëtan, je ne sais pas si c'était clair, mais lorsque l'État québécois achète l'île, on n'y connaît rien. On sait qu'il y a de l'épinette blanche, mais on sait qu'il y a des chevreuils, mais vous êtes parmi les gens qui doivent documenter en quelque sorte qu'est-ce qui pousse sur l'île, qu'est-ce qui vit là. Vous êtes là pour répertorier en quelque sorte l'écosystème. C'est intéressant, ça peut-être nous amène au quatrième thème sur l'écosystème, les chevreuils et tout ça. Qu'est-ce qu'on connaît de l'île lorsque vous y mettez le pied comme technicien en aménagement de la faune en 82? Oui, c'était le début. Il y avait quelques travaux, mais comme je disais, il n'y avait pas de bureau permanent. Fait que les gens venaient, passaient 2-3 mois, comme André a connu, restaient sur les camps. Mais à partir de 82, avec un bureau permanent, quand les collègues venaient de Québec, on avait un service de des bons camions, les VTT sont arrivés après, un service de cartographie, la route, l'achat de l'île par le gouvernement a promis d'amener la route jusqu'à l'autre bout, parce qu'après ça, il y a des territoires de pourvoirie qui ont été accordés. Et dans le cas de Chevreuil, il y avait à peine un début de travaux. Fait que on a eu beaucoup d'acquisitions de connaissances. Nous, plus comme gestionnaire, mais en étant sur place. Fait que c'est des chercheurs comme François Potvin, qui était le spécialiste du chevreuil au Québec, qui est venu souvent. Jean Huot, qui était directeur du département de biologie de l'Université Laval, a fait sa thèse de recherche anticosti. Fait que là, les chiffres qui circulaient, t'sais, c'est souvent l'île aux 100 000, chevreuil 125 000. Maintenant, on en connaît pas mal plus, là. Il y a eu beaucoup de travaux. La vraie population d'Anticosti moyenne, parce qu'elle varie beaucoup, c'est, mettons, 175 000 chevreuils. C'est entre 20 et 25 chevreuils au kilomètre carré. Ce n'est pas que moi qui le dis. On peut contacter nos pros à l'Université Laval, là, Steve Côté, Jean-Pierre Tremblay, qui a fait son doctorat Anticosti là-dessus, d'ailleurs, sur le sujet. On connaît beaucoup mieux la population. Elle est assez extraordinaire. Elle est très en dehors, exceptionnel dans ce sens-là, parce qu'on est à la limite nord de l'aire de distribution du chevreuil. Alors, normalement, il commence à en avoir de moins en moins, alors qu'on a parmi les plus fortes densités en Amérique du Nord. Bon, revenons à l'origine du chevreuil. Lorsque les Amérindiens, lorsque les Autochtones viennent chasser l'ours et pêcher du saumon, il n'y a pas l'ombre d'un cerf de Virginie à cet endroit. Et l'écosystème est assez frugal. Il n'y a pas beaucoup d'espèces. Assez bizarre, parce que quand on parle des naufrages, d'ailleurs, c'est un des problèmes, parce que les naufragés n'ont rien à manger. Là. C'est une île qui a très longtemps mauvaise réputation, parce que il n'y a pas de perdrix, il n'y a presque aucun animal à portée de main d'un chasseur. Et d'ailleurs, c'est un petit peu à l'origine de l'introduction du cerf de Virginie, parce que Meunier et son assistant disent, ben là, c'est plate, ici c'est beau, mais c'est plate, on veut chasser quelque chose. Alors, racontez-nous comment cette idée du cerf de Virginie naît et quel est l'effet justement de cette colonisation assez impressionnante. Oui, ben, dans le fond, Meunier, bon, il appréciait beaucoup la pêche au saumon,
et la chasse à l'ours. Mais effectivement, pour le reste, à part ça, il y avait que des renards comme animal. D'ailleurs, effectivement, les naufrages qui arrivaient souvent tard en automne et en hiver, le seul animal qui aurait pu fournir de la viande, c'est l'ours. Et pendant l'hiver, l'ours, désolé, il est disparu. Fait que Meunier a fait introduire plein d'animaux. Du chevreuil, de l'orignal, du caribou, du wapiti, des bisons, des lièvres. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas pratiquement proliféré. Par contre, dans le cas du lièvre, oui. Dans le cas de l'orignal, ouais, avec pas un gros succès. Il insère des grenouilles pour. Même des grenouilles. C'est des mouches. Alors, c'est vraiment. C'est ça. Chez moi, je fais ce que je veux. Je suis Dieu. Oh. À la base, une île qui n'est pas reliée par un pont de glace a tout le temps une faune qui est moins diversifiée que le continent. Parce que seuls les animaux qui ont réussi à traverser sont présents. L'introduction du chevreuil est absolument extraordinaire. Parce que, je l'ai dit, on est plutôt dans le pays de l'orignal. Mais le chevreuil a certains avantages que l'orignal n'a pas. Il est sur un territoire où il n'y a pas de prédateurs. C'est un des gros paramètres de son succès. Où les hivers ne sont pas si difficiles que ça. Même si Port-Meunier est à la hauteur de Chibougamau, les températures se comparent beaucoup plus avec celles de la ville de Québec. L'effet du fleuve fait que les hivers sont moins froids, la neige est plus dense. Alors, sans prédateurs, le chevreuil, c'est le plus productif des cervidés. Une femelle adulte bien nourrie, c'est 2 jeunes par année. Alors, la croissance de la population, c'est 25 jusqu'à 50 % à chaque année. Fait que des 100 à 200 chevreuils qui ont été introduits en 1896, déjà en 2018 à peu près, ils devaient en avoir à peu près 20 000. Et là, donc, 5, 6, 7, 8 000 naissances. Ouais. Et là, ça part. Et en 1930, la population a atteint et dépassé 150 000 chevreuils, atteint et dépassé la capacité de support de la forêt. Oui, en fait, vous m'avez donné une image assez convaincante lorsque vous m'avez parlé de ça la première fois, Gaëtan. C'est la légende perse de l'échiquier, quelqu'un qui dit à l'empereur, je veux être payé par un grain de riz que vous allez doubler à chaque case de l'échiquier. Et l'empereur dit, bien certain, allons-y. Donc, le grain de riz, après quelques rangées de l'échiquier, ça ruine le royaume. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé avec le chevreuil. Le chevreuil est introduit donc en 1895-96 et rapidement conquiert l'ensemble du territoire. Il n'y a à peu près aucune pousse d'herbacées et même de certains sapinages qui survivent. On va voir quelques effets de ça dans les photos qui vont suivre. Mais j'aimerais que vous me parliez justement de vous. Votre travail consiste à regarder un petit peu comment on peut préserver l'écosystème. Et vous découvrez que lorsqu'on met une petite clôture autour d'un espace, il se passe des choses intéressantes. Donc, racontez-nous un petit peu cette expérience, monsieur. Oui, bien, dans le fond, aussitôt qu'on travaille sur le chevreuil, il faut travailler sur son habitat, bien entendu, sur lequel il y a un impact énorme. Le deuxième paramètre qui fait que sa population augmente tellement, en fait, elle augmente au-delà de la capacité de support de son habitat, ce qui est un peu illogique, parce que le chevreuil, on dit en biologie qu'il y a une très grande plasticité. Il est capable de changements rapides, pas sur des décennies ou des siècles. En dedans de quelques années, il peut transformer son comportement, il peut transformer son alimentation, il peut transformer son corps. Il y a une étude qui a été faite en Anticosti. Le chevreuil d'Anticosti, à poids égal, a un système, un estomac, qui est 25 à 30 % plus gros que celui du continent, pour compenser la qualité, la quantité de nourriture. Donc, il continue d'augmenter, c'est un des résultats des recherches, malgré qu'il a dépassé la capacité de support. C'est une bête assez extraordinaire, ce chevreuil-là. Donc, À force de brouter comme ça, racontez-nous le concept des exclos qui est né chez vous. Alors, quand on veut mesurer son impact, on fait l'inventaire sur une parcelle et la parcelle d'à côté, on la clôture pour voir la pousse de végétation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sans impact du chevreuil. Alors, dès 83, François Potvin, notre chercheur, a dit, en plus des petits éclos de 2 mètres, on pourrait en faire un plus grand, là, 30 mètres par 30 mètres.
il date de 83, et lui servira de démonstrateur pour montrer aux gens, c'est ça l'impact que le chevreuil a. Et effectivement, en dedans de 2, 3 ans, l'impact était déjà visible, et aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire quand on va là. On a appliqué à la reprise de la coupe forestière à la fin des années 90, en 95, le même principe, parce qu'on a essayé différentes manières de faire pousser le sapin. No way, le chevreuil mange tous les semis et les élimine complètement. Fait que là, on s'est dit, ben, la seule manière de réussir à régénérer le sapin serait de couper, clôturer le secteur coupé, mais on parle d'immenses secteurs, de chasser les chevreuils à l'intérieur pour en diminuer. On pensait au début, tous les tuer, c'est absolument impossible, de diminuer la densité de chevreuil. Et c'est ce qu'on a fait, mais là, on parle d'exclos de 2 à 10 km, plus de 10 km carrés. 2 km carrés, c'est plus grand que le parc Michel Chartrand à Longueuil. Fait que ça vous donne une idée de la taille. Et il y en a maintenant quelque chose comme 35, 36 en place et il fonctionne très bien. Oui, d'accord. En fait, on comprend l'importance de ce phénomène-là lorsque on parle de la disparition de l'ours. Gaétan Laprise a mentionné que lorsque les Européens arrivent, il y a beaucoup d'ours sur l'île, c'est reconnu. Mais à partir de l'introduction du chevreuil, on a une espèce de déséquilibre qui se crée. C'est un des rares exemples récents où la proie a le dessus sur le prédateur. Pouvez-vous nous résumer un petit peu ce phénomène-là? Effectivement, non seulement il y avait des ours anticosti, il devait y avoir une densité extraordinaire d'ours anticosti, comme c'est le cas pour le chevreuil aujourd'hui, ou le renard, qui est la même chose. Et Meunier et les autres, les Innus de la côte nord venaient chasser, entre autres, l'ours anticosti et probablement aussi le saumon et l'anguille, qui est très abondante, et même des micmacs qui sont venus. Hey, la Gaspésie, c'est plus de 60 km là, dans un canot à pagaie. Il faut le faire traverser le fleuve. La côte nord, c'est près d'une trentaine de kilomètres facile. Et l'ours hiberne. Pendant l'hiver, il baisse sa température, son organisme, tout son. Et pour ce faire, il a besoin d'énormes réserves de gras. Il mange, c'est un omnivore, il mange plus de végétaux que de viande. C'est pas un gros prédateur. Il va faire de la prédation sur les faons de chevreuil, les veaux d'orignaux, mais pas particulièrement sur les adultes. Mais ce qui va faire qu'il va réussir à survivre l'hiver, c'est les fruits qu'il va manger en fin d'été, en automne, et particulièrement le bleuet, qui était très abondant, comme sur la côte nord, comme en Gaspésie. Il n'y en a plus de bleuet. La plante existe encore, mais des fruits de bleuet, ça, je ne sais pas combien d'années, j'en ai pas vu, sauf peut-être dans des éclos. Le chevreuil mange les fleurs. Puis il mange les fruits avant qu'ils soient mûrs. Fait que l'ours a décliné parce que sa réserve de gras qu'il devait faire, il n'y en avait pas. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Si la femelle est gravide pendant l'hiver, mais qu'elle n'a pas des réserves de gras, elle ne pourra pas mener à terme ses 2, 3 oursons et après ça, les nourrir avec du lait. Alors, la population d'ours a décliné tranquillement. Le dernier vivant a été vu début 2000, fin 90, début 2000. Moi, j'en ai jamais vu, là. Décliner C'est, quelque à notre connaissance, c'est le seul cas où une proie a fait disparaître un prédateur. chose. C'est pas dans la normale, Vous ça. savez, les chevreuils sont tellement voraces qu'ils mangent même le sapin. Tout ce qu'ils ne mangent pas, c'est l'épinette blanche. Alors, c'est des forêts d'épinette blanche. Les gens à Port-Meunier ne peuvent pas mettre un sapin de Noël devant chez eux. Ils vont se faire manger par les chevreuils. Alors. Mais on parlait de la plasticité, on voit souvent les chevreuils manger de l'algue sur les plateformes littorales, une adaptation assez spéciale. Effectivement, ils aiment un petit peu manger salé à l'occasion. Bref, ils mangent à peu près tout ce qui pousse. Allons-y pour. Si vous voulez rajouter quelque chose, on tenait. Oui, allez-y, Gaëtan. Moi, oui, je vais poursuivre parce que ça va un peu avec le point suivant. Les exclos ont eu, bon, on a bien réussi à régénérer du sapin, qui était le but premier, qui est un but, qui n'est pas un but faunique, hein, c'est un but socio-économique. Le sapin est très important pour conserver des bonnes densités de chevreuil qui vont conserver, eux, l'industrie de la pourvoirie, qui est l'activité économique principale de Port-Meunier depuis à peu près les années 80. Mais il y a eu des effets collatéraux très intéressants, c'est-à-dire que en construisant ça, on a vu revenir
beaucoup de plantes qu'on pensait pratiquement disparues, mais qui ne le sont pas, qui ont une bonne résilience. D'abord, les framboisiers, les épilobes, les herbacées, mais après ça, des saules, du bouleau en quantité phénoménale, des érables. Donc, ça a eu un impact très, très, très positif sur la biodiversité. Et ça nous a enseigné aussi qu'il y avait une manière de ramener cette biodiversité-là et les plantes qui sont parfois à l'état de reliques sur le bord de la disparition. Oui, effectivement, il y a des recherches en géologie qui se mènent, en paléontologie depuis plus d'un siècle, mais il y a aussi des botanistes qui sont allés herboriser. Je pense aux frères Marie-Victorin, à Jacques Rousseau, qui ont fait des voyages d'exploration. Ils avaient déjà remarqué l'effet des serres de Virginie sur la biodiversité, mais quand même, dans certains ravins, des endroits plus difficiles d'accès, il y avait des plantes tout à fait exceptionnelles. Marie-Victorin en a identifié plusieurs qui étaient soit nouvelles pour la science ou liées à la manganie, parce qu'il y a... On n'en a pas trop parlé de ça, mais il y a une espèce de connexion entre l'île d'Anticosti et l'archipel de Mingan, qui est un petit peu au nord de Bécomo, dans ce moment-là. Donc, peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus, parce que lorsque Marie-Victorin fera l'inventaire des plantes d'Anticosti, il va réaliser qu'elles sont... Il y a beaucoup de points communs avec les îles Mingan qui sont pourtant l'autre côté du golfe. Là. Il y a une espèce de connexion autant... Au niveau de la géologie, c'est des plantes calcicoles, donc le calcaire au départ. Donc, les plantes, là, il y a plus de 600 espèces de plantes, je crois, là, qui étant peut me corriger si je me trompe, ce n'est pas mon domaine, mais qui adorent le milieu d'Anticosti parce que justement, le calcaire comme substrat... Là, fait que ce sont des plantes arctiques alpines aussi, bien adaptées à l'environnement. D'ailleurs, c'est un endroit qui, moi, je l'ai remarqué, qui échappe pour l'instant, en tout cas, à beaucoup de plantes envahissantes. Il n'y a pas de phragmites, par exemple, le roseau commun qui a colonisé beaucoup le sud du Québec. Il n'y a pas de tiques à pattes noires qui portent la maladie de Lyme. On dirait que Anticosti échappe encore à certains phénomènes qui touchent assez sérieusement le continent. Oui, allez-y. Et puis, depuis quelques mois, maintenant, on a une réserve de biodiversité dans ce cas-ci, un statut permanent, qui a été créé principalement pour le site du patrimoine mondial, mais c'est une réserve de biodiversité, c'est la première réserve de biodiversité qui va protéger à la fois la géodiversité et la biodiversité, parce qu'il y a des liens très, très importants. On parlait de plantes rares. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les refuges où on trouve ces plantes rares, c'est des endroits où la géologie est difficile, où il y a des falaises, où les chevreuils n'ont pas accès. Donc, encore là, il y a un lien très, très fort entre la géologie et la biodiversité. Je vois arriver parmi nous Daniel Morin, à qui j'aimerais souhaiter la bienvenue. Elle est, il parle. Donc, pendant qu'elle s'installe, Daniel Morin... Bonsoir, Daniel. Nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous. On sait que vous avez eu un travail de gardiennage d'enfants. On sait tout sur vous maintenant. Et alors, on achève un petit peu la partie, si vous voulez, théorique là, de la présentation. On va prendre bientôt les questions, mais en tout cas, je voulais vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Alors, si on parlait à quelques instants, pour les minutes qui restent, d'Anticosti comme laboratoire à ciel ouvert, qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir, par exemple, en paléontologie? En paléontologie, premièrement, quand j'ai commencé à travailler, ma formation dans les années 60, 10, 80, on travaillait vraiment en silo, les géologues. On avait chacun notre spécialité. Moi, j'étais un stratigraphe, j'étais un sédimentologue. Je m'intéresse plus aux aspects physiques là, de la roche, si on veut. Par contre, en tout cas, s'il y a tellement de fossiles, il faut faire un peu de paléoécologie. Mais bon, maintenant, on travaille vraiment en équipe de recherche. Il y a des stratigraphes, des sédimentologues, des paléontologues et des géochimistes. Ça, c'est vraiment le dernier outil qu'on a. Il y a beaucoup, beaucoup de proxys géochimiques. En étudiant la composition chimique, les isotopes des calcaires ou des fossiles qui nous renseignent sur les conditions chimiques des océans. Et donc, on travaille de plus en plus en équipe, en grosses équipes. D'ailleurs, ma dernière publication, on était 18 sur
18 auteurs et co-auteurs qui regroupent toutes ces spécialités-là. Donc, si on veut adresser de la recherche du 21e siècle, là, il faut travailler avec les outils et c'est difficile pour un chercheur de posséder tous ces outils-là. Oui, d'ailleurs, vous êtes à l'origine du congrès de l'ACFAS qui a fait naître mon intérêt pour l'anticosti, qui est un petit peu à l'origine de tout ça, en ce qui me concerne. Et donc, on a parlé beaucoup de fossiles, mais il y a également des recherches sur les algues, il y a des recherches sur les tourbières actuellement, il y a des recherches sur... D'ailleurs, on a la chercheure principale de cette statistique dans la salle, il y a Michel Garneau que je salue. Madame Garneau est ici, bon, bienvenue Madame Garneau. C'est ça, vous avez fait un genre d'acte de colloque, vous pouvez peut-être nous en parler un instant? Bien, essentiellement, c'est qu'on a réuni tous les chercheurs qui travaillaient en anticosti et on ratisse quand même assez large. On parle de stratigraphie, de paléontologie, d'entomologie, d'ornithologie, de botanique, aménagement du territoire, aménagement faune et forêt. Donc, on s'est regroupé, on a fait une publication dans le Naturaliste canadien qui, je pense, à la fin du mois prochain, va être en accès libre sur la plateforme Érudit. Et on s'est rencontré tous les chercheurs et on a décidé qu'il fallait trouver une structure pour pérenniser la recherche en anticosti, parce que c'est ça, anticosti, c'est un laboratoire à ciel ouvert non seulement pour les stratigraphes et les paléontologues, mais pour une foule de sciences naturelles. Donc, on a mis en branle cette structure-là qu'on va essayer de pérenniser. Pour l'instant, on a un programme de recherche financé par les fonds de recherche du Québec, programme avec des stagiaires postdoctoraux en géologie, en biologie, en écologie, des aspects sociaux aussi, hein, parce que pour une petite communauté qui va accueillir un site du patrimoine mondial, il y a des enjeux importants, hein, il faut que ça se fasse de façon respectueuse. Donc, y a un momentum là, qu'il faut prendre, parce qu'anticosti, oui, l'UNESCO, c'est important, la géologie, l'entrée, c'est de la stratigraphie, mais il ne faut pas négliger les valeurs locales. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler à pérenniser par une structure avec des... On a l'impression, nous, les profanes, là, que toute cette attention mise sur l'île d'Anticosti, soudainement, visibilité mondiale, est-ce que ça peut attirer un certain type de tourisme des gens qui s'intéressent aux îles Galapagos et qui vont venir ici parce que maintenant, ils veulent découvrir ça? Est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait une espèce d'engouement international pour les... Je ne pense pas que ça va devenir une destination de touristes de masse, mais il y a certainement cet aspect-là de touristes scientifiques, de connaissances. On a au cœur de notre mission l'interprétation, l'éducation et la recherche. Même la recherche est inscrite dans la valeur universelle exceptionnelle. Donc, c'est vraiment la mission et il va falloir qu'on ait les moyens, évidemment, de nos ambitions. Puis, déjà, on vient d'entendre qu'il y a un peu de financement qui est disponible et qui va assurer là, les premières étapes. Donc, en ce que si l'UNESCO... C'est le début d'un processus, mais c'est un formidable levier pour les scientifiques, mais aussi pour les gens qui sont à la municipalité, qui font du développement économique, parce qu'il faut que ce soit fait aussi de façon intelligente, durable, et en tout respect de l'environnement et de la communauté d'accueil. Très bien. Écoutez, j'aimerais prendre peut-être la minute ou deux qui reste pour demander à Daniel Morin... La même chose que j'ai demandé à Gaëtan Laprise et à André Desrochers un peu plus tôt. Comment avez-vous découvert l'île vous-même et qu'est-ce que ça, comment a évolué votre relation avec Anticosti en quelques minutes, Daniel? Bonne question. Moi, je l'ai découverte par mon employeur quand j'étais étudiante. Qui m'a montré de belles photos en me disant que c'était bien compliqué d'aller là et que c'était pas évident pour n'importe qui de s'y rendre ou d'avoir un rôle à jouer. Et ça a donné qu'avec mes études, il y avait un stage à faire et il y avait une place disponible pour Anticosti. Fait que là, j'ai dit « Ah, c'est moi qui vais l'avoir ». Mais il y avait plusieurs personnes qui étaient bien intéressées à y aller et plus il y avait de l'intérêt, bien... Plus ça mettait d'attrait pour moi. Alors, c'est comme ça que je suis venue, puis ça a été wow, tout de suite. Là, c'était au début des travaux du ministère.
Gaétan, mon conjoint, venait d'arriver, il ne faisait pas longtemps, tout était à faire de notre côté. C'était fantastique. C'est comme ça que je suis arrivée, puis avec le goût d'y revenir. Et c'est toujours, il y a toujours un attrait intéressant. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et ça fait partie, entre autres, de l'attrait parce que c'est grand comme territoire. Il y a plein de gens qui sont passés depuis longtemps, mais dans tous les domaines, il y a encore, plein de choses à découvrir. Puis c'est un méchant beau terrain de jeu pour la petite communauté qu'on est. L'intérêt ne se dément pas. Puis quand il y a des beaux projets comme celui-ci, puis on a la chance d'avoir des visiteurs intéressants, comme André Desrochers qui vient régulièrement et qui nous informe, qui nous alimente, ça maintient notre intérêt pour rester ici. Moi, si vous permettez, moi, lorsque je suis arrivé pour la première fois de ma vie à Anticosti, j'ai rencontré Gaétan, grâce d'ailleurs au fait qu'il n'y avait plus aucune place disponible pour les touristes. J'étais prêt à monter ma tente dans une cour, mais finalement, quelqu'un m'a dit: Appelle Gaétan, il y a peut-être une place chez eux. Mais quand je suis arrivé, Daniel était parti à l'autre bout de l'île, il est allé faire un inventaire des chauves-souris. Brune, c'est ça, pour savoir où est-ce que, quel était l'état de la population de chauves-souris pour documenter cette espèce qui était un petit peu touchée par une maladie. Mais Daniel est une des apôtres l'accès à l'île. C'est une personne qui a sillonné l'île dans tous les sens. Elle a découvert une grotte. Qui aurait pu porter son nom, mais finalement, elle l'a baptisé autrement. Mais donc, c'est quand même quelque chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grottes dans notre pays, mais celle-là, c'est une des belles grottes que je n'ai pas pu visiter, mais qui est quand même assez longue, qui a été cartographiée par des spécialistes. Et je me souviens que Daniel m'avait dit, la plupart de notre île, c'est une terre publique, elle appartient aux Québécois et aux Québécoises. Et moi, j'encourage les gens à venir. Donc, j'ai trouvé que c'était un discours qui était très positif. Je ne sais pas si vous voulez conclure l'une de vous, avant qu'on passe à la période de questions, parce que ça fait déjà une heure. Allez-y, je sais pas si... Sur le sujet, juste une toute petite chose, on pourrait passer encore quelques heures, mais effectivement, tous les milieux insulaires sont des systèmes particuliers, des systèmes naturels particuliers. Anticosti, il y a en plus la richesse géologique qui est incomparable, mais toutes les îles ont des systèmes naturels particuliers et c'est des endroits de recherche de prédilection parce que ce sont des milieux fermés. On sait où ça commence et où ça finit. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'animaux qui arrivent n'importe comment. Fait qu'Anticosti, mais Anticosti, c'est un pays. Des fois, je dis au monde, mais pointe ouest, là, sur Limoilou, puis pointe est, là, il tombe sur l'île de Montréal. C'est sur Anticosti, puis jusqu'à 50 km de large dans le bout de Drummondville. C'est un pays. Fait qu'il y a encore, quand on dit qu'il y a encore des choses à découvrir dans tous les domaines. Quand on aura du temps, je vous en donnerai quelques-uns. Puis j'imagine qu'André doit avoir au moins une cinquantaine d'années devant lui de recherche prévue. Au moins. Pour un géologue, 50 ans, c'est très, très court. Ben oui, c'est ça. C'est même pas une seconde. C'est ça. Alors voilà. Parle-nous de 300 000 ans, au moins, qu'on commence à parler sérieusement. Daniel? Désolée, là, je suis C'est bon. rien là. Écoutez, on aurait pu parler de beaucoup de choses. On aurait pu parler du. C'est un des rares endroits, je crois, colonisé par les humains où il n'y a pas de chiens. Ça fait un siècle qu'il n'y a pas de chiens, ils ne sont pas admis. Fait drôle. On aurait pu parler du fait que les nazis ont voulu acheter l'île, puis on est passé à deux cheveux d'être un poste avancé de Hitler. Mais il y a beaucoup de choses que je vous invite à découvrir. Sur Internet, aller sur place. Il n'y a pas juste la chasse au chevreuil à Anticosti. Partez à l'aventure. Il y a tellement de choses à découvrir. C'est sûr qu'il y a des forfaits qui peuvent être un peu coûteux comme ça, organisés par la CEPAC, mais vous pouvez aussi prendre le Bella des Gagnés à partir de la côte et traverser.
moi, j'ai fait un voyage sac au dos qui était absolument magnifique, d'une côte à l'autre, en sous l'eau l'été dernier. J'ai amené ma compagne et nos deux filles, deux de nos fils. On a découvert, grâce à nos amis, beaucoup d'endroits extraordinaires. Donc, écoutez, la parole est à vous. Soyez pas gênés. Il y a deux micros de chaque côté. Si vous voulez adresser une question à Daniel Morin, à Gaëtan Laprise, à André Desrochers, soyez les bienvenus. Ne vous gênez pas. Allez-y. Je dois le descendre parce que le micro est un peu haut pour ma petite taille. Daniel, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des fleurs et en particulier des orchidées. C'est une particularité de l'île qu'on n'a pas nommée. Voudrais-tu nous dire quelques mots là-dessus? Tu en as même trouvé une assez rare, je crois. Hein? Celle qui prend la parole est Françoise Scott, une des autrices de quelques photos dans ce livre que vous pouvez trouver à l'entrée. Qui connaît bien. Oui, comme plusieurs personnes, Françoise est venue une première fois en visite et a le goût d'y revenir, vient prendre de la belle photo et s'intéresse particulièrement aux fleurs. Côté botanique, il y a un intérêt, entre autres, parce qu'il y a des plantes qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est-à-dire des plantes qui sont reliques, qu'on peut voir dans les montagnes rocheuses ou plus au nord, des plantes arctiques alpines, quelques-unes qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on retrouve juste à l'île. Et ça, le fait que le milieu soit difficile pour certaines plantes, comme les platières de rivière, qui sont couvertes par la glace durant l'hiver, puis qu'il y a des variations de débit assez importantes, c'est des endroits, tout comme les tourbières, où on retrouve des plantes qui sont un peu spéciales. On disait tantôt que le terrain est grand, il y a passé des gens, mais il y a encore plein de coins et de choses à découvrir. Ben, j'ai ramassé à tout hasard pour mettre dans ma cour un arbuste à l'automne en me disant que c'était le meilleur temps pour le transplanter. Et une année ou deux plus tard, j'ai vu sortir une orchidée que j'avais jamais vue de ma vie. J'étais vraiment épatée. Je regarde dans le livre, je l'identifie avec la fleur laurentienne, mais l'endroit le plus au nord, le plus à l'est où ça avait été vu, c'était la ville de Québec, et c'était rare. Je me suis dit, je me trompe probablement, mais j'ai envoyé les photos, et non, c'était ça. Donc, c'est maintenant un écosystème exceptionnel. C'est sûr que ce sont pas faciles à voir, parce qu'elle se cache un peu sous les arbustes, parce que pour échapper à la dent du chevreuil, encore une fois. Mais il y a quelques talles de cette orchidée-là, qui est un cypripède tête de bélier. Alors, dans le bon temps, comme on a une belle superficie aussi de tourbières, puis des tourbières qui sont riches, bien, c'est associé à certaines plantes, dont des orchidées qui ont des statuts précaires et qu'on peut retrouver à l'île. Donc, c'est un autre aspect intéressant de l'île, le côté botanique. Merci. Allez-y, monsieur, à gauche ici. À vous la parole. Oui. Moi, en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres gens dans la salle aussi qui ont ce questionnement-là. C'est concernant... c'est sûr que, bon, il y a un engouement là, pour la recherche puis tout ça, puis probablement qu'il manque d'espace pour loger les gens. Ce petit côté-là, ça veut dire que peut-être qu'il va y avoir du développement de résidences ou de lieux d'hébergement, etc. Est-ce qu'il y a une planification pour limiter, dans le fond, le développement, pour pas que ça devienne comme... En tout cas, moi, personnellement, je compare, mettons, les îles Galapagos, là, quand on s'est mis à vouloir faire du tourisme, et puis là, ben, on a grossi la ville principale, puis tout ça, puis là, il y a eu des espèces invasives, etc. Comment est-ce que les critères sont évalués pour limiter le développement, pour préserver l'intégrité d'Anticosti? Merci pour la question. Qui veut répondre? Est-ce que vous allez être envahi? Est-ce qu'il y aura quelque chose de... Oui. Ben, pour le moment, l'éloignement et la difficulté de construire va éviter toute explosion. Imaginez comment c'est compliqué de construire chez vous, à Montréal, à Laval, à Québec. Ben, en tout cas, il faut multiplier par 5.
La municipalité travaille avec des gens pour développer un hébergement touristique respectueux, justement, de ce que je pense que vous avez comme idée. Ça m'étonnerait beaucoup, bon, on peut pas, je ne suis pas un devin non plus, ça m'étonnerait beaucoup qu'il se construise des gros établissements ici. André ou Daniel me corrigeront, mais c'est déjà pas simple. Et je pense pas qu'il y a personne qui vise un tourisme de masse ici. En fait, on va plutôt vers d'autres choses. On en a un tourisme qui est assez important. Les chasseurs, l'automne, un touriste qu'on appelle consommateur. Hein. Et dans le fond, ils passent au village, mais après ça, ils se répartissent dans 15, 18 ou 20 pavillons et camps partout sur l'île, ce qui fait qu'il demeure qu'il n'y a pas grand monde. Le tourisme, le nouveau tourisme qui va se développer risque de ressembler à ça. Pour le moment, il n'y a vraiment rien. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt compliqué. C'est de réussir à avoir un peu plus de logements pour accueillir un peu plus d'employés, pour offrir des services aux prochains touristes. Je pense que les gens sont aussi conscientisés, voient qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, entre autres aux îles de la Madeleine. Et je ne pense pas que les anticastiens voudront aller vers ça. Et comme il y a le frein de la distance et des coûts, bon, ça va nous permettre, ça va nous donner le temps de réfléchir. Mais moi, j'allais ajouter que quelque chose qui m'a beaucoup séduit, il y a entre autres un consultant qui travaille sur un projet de développement et ça va s'appeler Destination Anticosti et qui regarde pour un développement bien pensé, bien structuré dans la partie ouest de l'île qui se trouve être un peu notre terrain de jeu, c'est-à-dire la section où il n'y a pas de chasse durant l'automne, où nous, on va régulièrement et il y a déjà beaucoup d'attrait dans ce coin-là, mais ce n'est pas un territoire qui est géré par CEPAC. Ça serait comme une espèce de branche de la municipalité et il y a un questionnement. Il y a déjà eu beaucoup de travail de fait en amont pour penser éventuellement à de la mise en valeur, à une offre d'activités aussi qui sont respectueuses, que ce soit à vélo, des sentiers, des activités à faire autour du village accessibles à tous et plus longtemps parce que c'est un peu une limite qu'on a présentement. CEPAC qui gère les trois quarts de la superficie de l'île offre des activités de villégiature à partir de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fin du mois d'août. Et beaucoup de gens veulent voyager plus tôt et plus tard. Le mois de septembre est toujours beau et intéressant, mais comme il y a de la chasse sur le territoire, bien, les gens se font dire souvent « Ah, vous ne pouvez pas aller là, c'est dangereux, etc. » Donc là, c'est vraiment bien penser, réfléchir ce qui se prépare. Donc, moi, je suis bien confiante, en tout cas, pour le développement. Là, je trouve ça intéressant. Et on a déjà eu une mauvaise expérience avec une navette, un bateau qui faisait le lien entre la côte nord, la côte sud et Anticosti pendant 3 ans. Et ça a été n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a eu des gens de partout qui arrivaient avec toutes leurs choses, des fois le kayak, le VTT en plus du camion, leur essence parce que peut-être ça coûtait cher chez nous et ça a été vraiment négatif comme conclusion, ce qui fait que les gens à la municipalité ont ça en tête, donc on sait que c'est pas la bonne manière de faire et ça me rassure parce que moi aussi ça fait partie des choses qui me préoccupent. On voyage aussi puis on voit d'autres exemples et ça fait partie des préoccupations. Merci. Allez-y, madame. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle présentation. C'est passionnant. Je suis jalouse. Alors, j'ai deux petites questions concernant les deux zones protégées. Quelle superficie ça représente par rapport à l'île au complet? Puis, je devine que ces zones protégées-là, qui sont tous les rivages, les 500 kilomètres de rivages, c'est pour la paléontologie, je suppose. Je peux peut-être répondre dans un premier temps, mais je laisserai Gaétan et Daniel peut-être en complément.
Donc, le site du patrimoine mondial, le 550 km de côte, à l'exception du village de Port-Meunier, les deux rivières, avec les zones tampons qu'on a aussi inscrites, sont à l'intérieur d'aires protégées, un réseau d'aires protégées, un parc national, la réserve de biodiversité que j'ai parlé tantôt, des réserves écologiques. Donc, le site du patrimoine mondial avec sa zone tampon, c'est 10 % du territoire de l'île d'Anticosti à l'intérieur d'un réseau d'aires protégées qui fait à peu près 30 %, ce qui laisse 70 % du territoire qui n'est pas sous forme d'aires protégées. Mais présentement, il y a une étude pilote pour un nouveau type d'aires protégées au Québec qu'on appelle un aire protégé à développement durable. Et Anticosti a été identifié comme un des deux endroits au Québec où il pourrait y avoir ce type d'aire protégée, où il pourrait y avoir du développement, l'activité, on parle de foresterie, mais encadrée, là, si on veut. Mais c'est à l'état de projet pilote, mais à la toute fin, il se pourrait que toute l'île soit une aire protégée, mais avec différents types. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, oui. Et si Gaétan est... Oui, c'est bien. Donc, mon autre petite question qui est aussi en rapport avec la protection, c'est que je voulais savoir si toute l'île avait été protégée, il n'y aurait pas eu possibilité d'habiter l'île. Est-ce que c'est ça les règles? Pour ce qui est je parlais du patrimoine mondial. Là, un des premiers chantiers qu'on a ouvert, lorsqu'on a défini la valeur universelle, sur quoi on allait appliquer, bien, on a regardé voir les endroits qui étaient représentatifs de cette valeur-là. Donc, il y a une forêt boréale qui couvre à 95 % ou encore des milieux humides où il n'y a pas d'affleurement rocheux, il n'y a pas de ces falaises fossilifères. Donc, on a identifié le site du patrimoine mondial où on a les endroits représentatifs de sa valeur universelle. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi spécifiquement parce qu'il était représentatif de la valeur universelle. Excusez-moi, j'ai peut-être pas saisi. Est-ce que si elle était toute protégée, on pourrait habiter? C'est quoi les règles? Ben, les règles, un parc national... On peut l'occuper en autant... Une réserve de biodiversité, on a accès à une réserve de biodiversité en tout temps. Il y a des activités qui sont réglementées, si on veut. Okay. Mais... L'accès est certainement ouvert, puis je pense que Alex et Gaétan ont peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Daniel et Gaétan, Alex, c'est son nom d'artiste. Voilà. Juste pour donner un tout petit exemple, parfois on va dire, là, il ne faudrait pas qu'il y ait de coupe dans la réserve de biodiversité, de coupe forestière, parce que ça va à non. Si on veut ramener la biodiversité dans la forêt d'Anticosti, il faut faire de la coupe, il faut clôturer et il faut éliminer les chevreuils. Et là, on va ramener une biodiversité végétale d'abord, de champignons, d'insectes, d'oiseaux ensuite. Fait que c'est un work in progress, effectivement, pour cet statut-là. C'est une autre facette du laboratoire qu'est Anticosti de développer un nouveau mode de protection qui tient compte de réalité parce que, par exemple, nos exos qu'on a fait, c'était fait par la compagnie forestière qui a des moyens techniques immenses et qui, eux autres, en tirent de l'argent, des profits, et que nous, on en prend une partie pour investir et ça a donné d'excellents résultats. En fait, je pense qu'il faut aller un peu dans ce sens-là. Et oui, c'est à développer, comme dit André. Là. Et moi, j'allais ajouter juste une petite chose, c'est que le statut de protection varie, comme André le disait tout à l'heure. Il y a des réserves écologiques qui sont petites où on ne peut pas mettre le pied avant, à moins d'avoir une permission spéciale, c'est protection d'un milieu intégral. Mais la majeure partie du territoire protégé, comme la réserve de biodiversité, tout ce qui se faisait peut se faire encore. Mais si on voulait faire du développement, des constructions, des choses comme ça dans le futur et que ça n'a pas été prévu, là, tout est plus compliqué. Donc, c'est ça. Des gens qui vivaient là pourraient toujours y vivre. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Allez-y, madame. Oui, merci encore pour cette présentation. Moi, je suis étudiante à la maîtrise en danse. Et donc, je pose ici la question, est-ce que la question de l'art elle est posée, en fait, à l'île d'Anticosti? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que,
Est-ce que... Je pense que je vais répondre. Ah oui, oui, oui. Parce que il y a quand même plusieurs personnes qui s'intéressent à ce côté-là. C'est marginal, c'est sûr, habituellement, là, des artistes. Mais j'ai accompagné un groupe il y a 2 ans qui faisait de la dramaturgie sonore, qui sont venus faire une espèce de stage d'immersion ici, un peu plus d'une semaine. Ils cherchaient, entre autres, le son du fossile. Je les ai accompagnés là-dedans. C'est pas tous les jours qu'on se fait poser des questions comme ça. Ils se sont donc mis... ils ont pris du recul, se sont immergés, ils ont fait des choses assez particulières. L'année dernière, il y a des artistes en art visuel qui sont venus passer une semaine aussi, qui ont fait des installations temporaires, de l'écriture, de la peinture, des gens dans différents domaines. Fait que ça fait quand même plusieurs fois qu'il y en a qui viennent faire des résidences, en guillemets, là, des résidences d'artistes ici. J'ai une bonne amie qui fait du yoga, puis elle rêve là, d'organiser un stage d'une semaine. Il y a des beaux endroits comme le long de la rivière Chicotte, des beaux décors pour faire du yoga à l'extérieur. Donc oui, il y a toutes sortes de possibilités, c'est clair. Ça reste à développer, il y a un potentiel dans plein de domaines. Il y a une ouverture à ce que je comprends. Oui. C'est un milieu très, très inspirant, effectivement. La gang de Chicoutimi, c'était très le fun, et les arts visuels aussi, littérature, photo, théâtre, très inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Mathieu, je propose qu'on prenne peut-être plusieurs questions à la fois, comme il y en a beaucoup, puis que le temps file. Oui, allez-y, prenons 2-3 questions. Bonjour, Jean-François Bilan, ingénieur forestier. J'aimerais entendre parler du projet avorté, là, d'introduire des prédateurs, des loups en particulier. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années déjà, là, mais c'est des choses qui ont été pensées avant d'aboutir à des exclos, là, introduire des prédateurs pour contrôler les populations de chevreuils et permettre à la forêt de se régénérer. Introduire le loup. Ah, ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Gaëtan, avez-vous quelque chose à dire? Oui, ça revient. C'est arrivé quelques fois. Il n'y a jamais eu aucun projet. Ce qui est certain, c'est que l'introduction d'un prédateur efficace comme le loup aurait un impact extraordinaire. Genre la quasi-disparition de la population de chevreuils. Et comme la disparition de chevreuil voudrait dire la disparition de porc-meunier et de tout ce qui s'y rattache, socialement, c'est absolument inacceptable. Je veux dire, pire que l'exploration pétrolière. Donc, c'est, je pense que c'est... De toute façon, je ne suis pas certain qu'on aurait le droit d'introduire une nouvelle espèce. Dans le temps de Meunier, je pense que c'était... Mais bon, enfin, c'était quand même une idée intéressante. Dans le fond, ça serait pour éventuellement ramener la forêt originelle, ce qui prendrait probablement 75-100 ans, parce qu'une sapinière, c'est ça. Et la ramener pour qui? Parce que là, il y aurait plus grand monde qui fréquenterait Anticosti. Pour le moment, la seule activité économique d'importance, c'est l'industrie de la pourvoirie, de la chasse aux chevreuils. C'est pour ça que quand c'est amené, mais socialement, tu ne peux pas aller très, très loin, là. On a trouvé une autre manière avec les exclos qui fonctionne. Oui. D'ailleurs, je profite d'occasion, là, on va prendre 2 dernières Merci. Questions, si vous permettez. Mais juste la photo qui est ici, je trouve qu'elle est très évocatrice. Les exclos dont on parle, ici, vous avez un quadrilatère assez net. Vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité, alors qu'à l'extérieur de l'exclos, c'est à peu près uniquement de l'épinette blanche. Donc, c'est vraiment une photo que je trouve qui dit tout, là. Vous voyez, si vous mettez des clôtures de 12 pieds, c'est vraiment des très hautes clôtures où même on peut pas, les cerfs de Virginie ne peuvent pas passer en dessous. Et on laisse la nature, en fait, revenir. Après quelques années, ça donne ça. Il y a des bouleaux, il y a des framboisiers, des bleuets, etc. Et donc, vous multipliez cette surface-là
par 12-15 km, et c'est ça un exclos. Vous laissez ça pendant 12-15 ans, ensuite vous retirez les clôtures, les chevreuils reviennent brouter, mais c'est cette technique-là d'aménagement qui a permis de garder un certain milieu naturel à l'état précolonial, si vous voulez. Donc, on va prendre les deux dernières questions. Je crois que nous étions rendus à monsieur. Oui. Bonjour, mon nom est Robert Saint-Jean. J'ai eu la chance l'été dernier d'aller passer 10 jours à Anticosti. J'ai une formation en géologie, alors j'ai eu ma dose de roche en masse et de fossiles. Ma première question est pour M. Desrochers, évidemment. Qu'est-ce qui a causé l'extinction de masse au milieu de la période? Et puis j'ai une deuxième petite question, peut-être que pour notre autre... parlez-nous un peu de la toponymie. Là. Il y a des noms assez particuliers. La rivière Chicotte, c'est quoi ça? La rivière à la patate, de où ça vient, ça? Donc, j'aimerais avoir des détails là-dessus. Merci. Merci. Allez-y. Bien, j'y vais pour la première question. Je vais laisser Daniel et Gaëtan réfléchir à la deuxième petite question. Donc, c'est un sujet de recherche qui est en cours. Trouver une explication pour l'extinction de masse à la fin de l'Ordovicien. C'est probablement multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent dans le temps et qui vont faire en sorte que cette extinction, il va y avoir un intervalle de crise, 85% des espèces qui vivent sur le fond de la mer disparaissent. Donc, je vous ai montré que c'est un milieu dynamique. On a une ère glaciaire sur 30 millions d'années. L'apogée de cette ère glaciaire correspond plus ou moins à l'intervalle de crise. Donc, il y a des changements au niveau de la circulation des grands courants, la chimie de l'océan change, tous les marqueurs géochimiques nous indiquent qu'il y a un changement important du cycle du carbone. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs endroits, il y a une quarantaine d'endroits où on a cet intervalle de crise dans le monde. Tout le monde fait des recherches, mais je pense que de plus en plus, Anticosti va venir un point chaud, parce que si on est en Chine, on a 1 mètre pour cet intervalle de crise. Anticosti, on a 100 mètres. Donc, on a une résolution qui est très, très grande, qui va nous permettre justement de démêler la séquence d'événements qu'on a enregistrés à l'échelle globale, les changements du niveau marin, les changements des grands courants qui ont mené peut-être même une perte d'oxygène dans l'océan. Donc, on a tous ces éléments-là, mais on n'arrive pas encore à les mettre dans une séquence, une succession, parce que le chronomètre qu'on a en géologie, lorsqu'on utilise des fossiles, qui sont des fossiles index, c'est à peu près 1 million d'années. Donc, 1 million d'années, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se passer, là. Donc, on essaie d'utiliser d'autres façons de diviser cet intervalle de temps pour essayer de trouver la séquence. Donc, c'est vraiment là où s'oriente la recherche pour la prochaine décennie, en ce cas-ci, avec plusieurs spécialités qui se regroupent là, puis qui vont travailler pour identifier ce problème-là. Mais on a plusieurs indices, mais on n'arrive pas encore, si je fais une histoire courte, à les mettre en séquence. Merci, c'est vraiment fascinant cette recherche-là. Gaëtan, Daniel, sur chicotte, patate... C'est chicotte. Chicotte. Oui, pour faire une réponse simple, il y a beaucoup de noms de rivières qui viennent de bateaux naufragés. Des fois, c'est le type de bateau comme un brick, la rivière Brick, c'est le cas. La rivière à la patate fait un peu exception, semble-t-il, on ne sait pas toujours, là, c'est souvent des hypothèses. Mais il y avait une grosse roche, un gros bloc erratique à l'entrée. Et pour les gens de la Côte-Nord, quand ils venaient à Anticosti dans ce secteur-là, ben c'était la rivière de la patate. Donc, c'est la réponse, ou en tout cas l'explication généralement retenue. D'autres rivières, comme la rivière à l'huile, ben il y a des endroits où il y a du pétrole, qu'on appelle de l'huile en anglais, qui affleurait à certains endroits. Mais pour la majorité des rivières, c'est vraiment des bateaux parce que Anticosti a été longtemps connu comme le cimetière du Golfe. Il y a autour de 500 bateaux qui se sont échoués sur les côtes de l'île et souvent, c'est un de ces bateaux-là qui a donné le nom à la rivière. Merci beaucoup. On va vous laisser sur un vidéo de clôture qui va vous donner quelques images pour retourner chez vous. Qui sont l'œuvre de Gaëtan Laprise et Alex Anticosti.
Évidemment, on a fait un tour d'horizon. Monsieur Desrochers donne des présentations de 2h30 juste sur la paléontologie. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu aller dans beaucoup plus de détails, mais notre intention ce soir, c'était vraiment de faire un survol le plus complet possible, tout en sachant que c'était impossible d'être vraiment complet. Mais en tout cas, donc, on vous invite à lire des ouvrages scientifiques qui sont très, très riches, à regarder les vidéos d'Alex Anticosti et de poursuivre votre recherche personnelle ou collective sur cette île qui peut-être va être de mieux en mieux comprise et connue par les Québécois et les Québécoises. Donc, on vous laisse sur les images de l'île, et puis en espérant que cette présentation vous a plu.